Nimage 20, bonjour. Vous êtes directeur du centre parisien de TBS. Alors, quand on pense à TBS Éducation, on pense évidemment au berceau historique, Toulouse. Mais c'est aujourd'hui un gros campus sur Paris. Exactement. TBS Éducation est depuis une dizaine d'années à Paris. On a déménagé de campus maintenant il y a 2 ans. On est dans le 15e arrondissement, qui est le 2e arrondissement en nombre d'étudiants, donc avec des universités, d'autres écoles de commerce et d'ingénieurs. Donc dans le 15e, près de la porte de Versailles, métro Convention. Et donc un nouveau campus de 5000 m² avec une cour intérieure. Vous avez pu le visiter d'ailleurs. Un campus, je confirme. C'est un ancien lycée du bâtiment, avec 4 bâtiments et une cour centrale qui va être entièrement rénovée à partir de décembre prochain. Donc on va tout rénover avec des espaces pour les étudiants, des espaces pour de cours, hein, parce qu'on est une école, donc il faut quand même des salles de cours. Donc voilà, un campus qui va être entièrement rénové. Alors sur ce campus parisien, est-ce que vous proposez toutes les formations de TBS Éducation? Alors, on propose, on va faire dans l'ordre, hein, le programme post-bac, le bachelor en 3 ans, notre bachelor qui a le grade de licence sur l'ensemble de ces campus, que ce soit le diplôme est le même qu'on le fasse à Toulouse, à Barcelone, à Casablanca ou à Paris, parce qu'on a 4 campus. Et la possibilité surtout de changer de campus selon les années. On peut commencer à Paris et finir sa dernière année à Barcelone, par exemple. Ou à l'inverse, commencer à Barcelone et faire sa dernière année à Paris. Donc ça, passant par Toulouse ? En passant, et on peut aussi passer par Toulouse. Voilà, la possibilité de changer de campus selon les années de la scolarité du Bac+3. À l'issue de ce Bac plus 3, les étudiants qui ont le bachelor ont 2 possibilités, soit d'aller sur le marché du travail, ce qui est le cas d'une vingtaine, 20% de nos étudiants, et 80% vont aller sur une poursuite d'études, soit au sein de notre programme Grande École, le PGE, pareil, à Paris, à Toulouse, à Barcelone, ou soit d'aller dans un autre programme ou de faire leur poursuite d'études en université, ce qui est permis par le grade de licence du bachelor. Donc, à Paris, nous avons bien le programme Grande École, majoritairement en alternance, avec les 2 années, Master 1, Master 2, qui va permettre à l'étudiant d'arriver au niveau Bac+5. Ou sinon, la dernière année est possible aussi en alternance, soit les 2 ans, soit la dernière. Et est-ce que vous proposez des formations de type Bac+5 ouvertes au Bac+3 directement? Alors, les étudiants qui ont validé un Bac+3, soit notre programme bachelor ou un autre programme bachelor ou une licence universitaire de 3 ans, peuvent entrer en admission parallèle et se retrouver avec les étudiants qui ont intégré le programme en école. Certains l'ont intégré après la classe préparatoire. Ils vont retrouver ces élèves pour faire le Bac+4 et le Bac+5 au sein de TBS Éducation sur le campus de Paris en alternance. C'est un campus de combien d'étudiants à peu près? Alors, cette année, nous avons près de 800 étudiants sur le campus. Le fait d'être dans l'alternance fait qu'on n'a pas tous les étudiants en même temps, mais chaque semaine, on est environ à 200, 300, 400 étudiants sur le campus. Voilà, 800 étudiants entre le programme Grande École, le bachelor et on a aussi un master spécialisé en marketing et communication à Paris. Alors vous savez, un des atouts des campus des grandes écoles, c'est le côté international, le côté brassage des nationalités. Est-ce que c'est le cas sur le campus parisien de TBS Éducation? Alors, sur le campus parisien, aussi bien au sein du programme bachelor que du programme en école, nous allons accueillir des étudiants internationaux. Certains viennent faire l'ensemble de la scolarité chez nous. Il faut savoir que sur le programme bachelor, on a 30 nationalités sur le campus de Paris et près de 110 sur le campus de Toulouse. Des étudiants viennent de nationalités différentes, donc ce qui permet aux étudiants, aux étudiants français, en étant sur le campus de Paris, de vivre une expérience étudiante parce qu'ils vont travailler en groupe avec des étudiants qui viennent d'autres universités, d'autres écoles, soit pour faire l'ensemble de leur scolarité ou soit pour faire un semestre d'échange, puisque nos étudiants dans le programme bachelor vont aller faire un semestre d'échange à l'étranger, mais du coup, nous aussi, on va recevoir des étudiants étrangers sur nos campus français, Toulouse et Paris. Alors, vous avez parlé d'expérience étudiante. Est-ce que c'est, on parle beaucoup aujourd'hui d'expérience étudiante. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Alors, l'expérience étudiante, c'est naturellement quelque chose d'important puisque il y a la qualité académique du programme, aussi bien bachelor que PGE, avec les cours, les accompagnements, les professeurs permanents, mais il y a aussi l'à côté. Pour nos étudiants, par exemple, à Toulouse, à Paris, nous avons une association, un BDE, avec différents pôles multiprogrammes, où les étudiants du bachelor sont mélangés avec les étudiants du PGE, ce qui permet d'avoir pour les étudiants du bachelor de rencontrer des étudiants master. Souvent dans différentes écoles, on a le BDE du programme master et le BDE du programme bachelor. Nous, on a fait le choix d'avoir un BDE multiprogramme pour que l'ensemble des étudiants, peu importe le programme, puissent être ensemble pour tout ce qui est vie étudiante, la vie sportive, les événements sportifs, les événements culturels. Comme je vous l'ai dit, on reçoit beaucoup d'étudiants internationaux qui ont envie de découvrir Paris, la France. Nos étudiants français vont les aider à venir en France avec la Welcome Team. On va les accueillir, leur faire découvrir
Paris et d'autres points de la France. Je voudrais juste revenir sur un petit point des formations disponibles. Il est donc possible pour un élève de prépa parisien d'intégrer directement PGE à Paris ? Alors, à l'issue de sa prépa, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est que les étudiants, à l'issue de la prépa, se retrouvent tous, puisqu'ils viennent de toute la France. Oui. Donc du coup, la première année qui n'est pas disponible en alternance, l'année de L3, se fait sur le campus de Toulouse avec une possibilité de faire un semestre à Barcelone. C'est seulement à partir de la deuxième année, le Master 1, que l'étudiant de classe préparatoire pourra revenir sur le campus de Paris s'il souhaite faire la suite de son cursus en alternance. Louis et Marie-Juvin, merci pour ces explications. Merci infiniment.